de réduire les attentes de la principalement le fait que le président doit donner une grande impulsion pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Et il a félicité pour les décisions prises dans la bonne direction contre les antivaleurs, notamment la corruption. Il a félicité aussi pour les efforts faits pour améliorer la collaboration, les relations avec certains États dont on avait de la santé brouillée, et le peuple en a aussi subi les conséquences, exemple de la maison Schengen. Et à son tour, le chef de l'État a remercié le président de la CENCO. Il était content de la visite, il était content du fait que la CENCO était prête à réaffirmer sa volonté de collaborer avec lui. Et il a dit que vous ne serez pas déçus, parce qu'en parlant, le président de la CENCO lui a rappelé qu'il est héritier d'une devise assez noble, le peuple d'abord. Et le président a réagi en disant, jamais la lutte de mon mentor contre les antivaleurs. Et il est conscient de la grandeur, de l'importance du chantier colossal qui l'attend. Et pour ça, il a besoin, a-t-il dit, de la collaboration, de l'implication de la CENCO. Il a cité quelques chantiers qui lui tiennent à cœur, l'éducation, la santé, mais il a insisté sur la lutte contre le tribalisme. Le président de la CENCO lui a annoncé qu'il y aura une assemblée plénière au mois de juin où tous les évêques vont se retrouver. Ils ne manqueront pas de lui proposer la contribution de la CENCO en termes de conseils, en termes de propositions, et il attend impatiemment cette proposition, cette collaboration. Ce qui est important, c'est que nous regardons dans la même direction. Ce qui est important, c'est que l'Église doit rester dans sa mission, et lui aussi dans sa mission, mais on se retrouve ensemble dans la mesure où il s'agit pour les uns les autres de veiller au bien-être du peuple congolais, aux bonnes conditions de vie du peuple congolais.